Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on va améliorer notre scie radiale. Alors, pour l'amélioration, ici, on va s'occuper dans un premier temps, zéro clearance ici, où pas de jeu entre la lame et ici la fente. Où les copeaux, les poussières, les chutes se coincent. Là, il n'y aura vraiment que le jeu de la lame. J'ai déjà traité le sujet sur ma scie métabo. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description juste en dessous. Alors, dans un premier temps, on changera ici pour faire du zéro clearance. Ici, tout autour, vous voyez, il y a toujours des copeaux. Ça va dans tous les sens. Ce que je vais faire ici, je vais refaire un moyen d'aspiration ici à l'arrière connecté avec l'hôte. Pareil, hein, si vous avez raté la fabrication de ce meuble, de ce support pour cette scie à onglet, tout ça, vous retrouverez tous les éléments juste ici, juste une scie en dessous. En cliquant, vous aurez tous les liens. Bon, j'ai trouvé. Il faut juste lever ici à l'arrière. J'aurais dû lire la notice. Je ne sais plus si c'est noté dans la notice. Mais on lève ici. Vous glissez. Et hop, on retire la plaque.
Bien, ce projet est maintenant terminé. Donc, comme vous pouvez voir, l'aspiration sur ma scie à onglet. J'en suis super content parce que vous avez vu, j'ai fait plusieurs tests. Et même avec la feuille, vous voyez, ça aspire vraiment fort. Ça plaque même les pièces quand je viens les mettre ici sur le guide. Donc moi ici, trois coupes. Hein. Je fais la coupe à 90 classique, plus 45, moins 45. C'est ce que je rencontre le plus souvent. De toute façon, vous avez vu, tout est entièrement démontable. Je démonte les trois vis ici, donc n'oubliez pas de mettre du jeu dans les trous pour pouvoir le faire le réglage que moi j'ai réglé à 90 degrés. Et si jamais j'ai les coupes d'un autre angle ou avec le deuxième angle cumulé sur cette machine, eh ben, je remonte facilement ici au niveau de la lame et le guide ici sur le côté. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne des Bébois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.